わあ、美味しそう。いい匂い。メルシー。イエーイ。Maria qui parle. Oui, oui. Vous voulez en voir? Oui. J'en ai des belles. Oui. Je vais les chercher. Elles sont derrière. Maria qui parle, non? Quoi de genre, quoi, non? Où? Elle ne veut pas filer. Ah! Je sais, je sais. Bien sûr. Quoi, le quoi de Maria? Eh, mais attends, quoi, tu es mignonne, c'est beau, mignonne. Oh, kawaii. J'avais vu. Très couleur jaune. Ouais. C'est magnifique. Ouais, c'est beaucoup de couleurs. Oui, hein. Ah. Gakuni shiru si. Je suis japonais, mais faut regarder bien première fois aujourd'hui. C'est vrai? Oui, Imari. Ce qui est très joli, c'est la forme. Oui. Le feston. Le fleur. Ouais. Oui, comme une fleur. Oui, comme une fleur. Et en français, on appelle ça le feston. 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 D'accord. C'est la forme. Feston de nena. Ah oui, très japonais. Oui, très japonais. Si vous regardez bien, ici on voit les traces de peinture. Oui. Fait main. C'est brillant et mat. Ah oui, c'est ça. Les fleurs sont mates. Oui. Je pense que c'est comme la technique de Antoinette Poisson avec des couches de couleurs, avec des pochoirs, et à faire chaque couleur. Ah d'accord. Chaque couleur. C'est jamais les mêmes. C'est que jamais les mêmes. Celle-là, c'est la même que celle-ci. Sauf que d'accord. Si tu regardes la fleur là, ah oui, elle est pas pareille. C'est différent. Oh. Et c'est la beauté de la main de l'homme. Oui. Toujours l'homme qui a mis sa main en fait dedans. D'accord. Machia vidéo. C'est laquelle t'as préférée, Aya? C'est là? Oui. Sur les cils. Peut-être ça. Ça? Oui. Et j'aime toi, Mash? Oui, moi aussi, peut-être ça ou ça. Oui, oui, oui. Okay. Parce que c'est... Il y a des petits animaux. Je t'ai vu réagir. Je t'ai vu réagir à ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Peut-être chat. Non. C'est peut-être un peu que. Oui, donc, chat. Moi, je sais qui c'est. C'est Lulu. Lulu. C'est Lulu. Lulu. Oh, Lulu. Déjà Lulu. Moi, ma préférée, c'est celle-ci. Ah. Parce que j'aime beaucoup l'arbre. Pain. Ah, pain. Un pain. Ah, oui, peut-être. Oui. Et celui-là, je trouve ça drôle. On dirait des sakuras. Ah, de... Qui c'était là? Ah oui, saison. C'est les saisons. Ah, oui. Les quatre saisons. Oh, quatre saisons. Oui. C'est ça. Oui. Ben on en apprend tous les jours. Ah bon? Oui, je savais pas. D'accord. Mais wow. Oui, ça doit être. Mais deux saisons. Ben c'est oui. Sakura. C'est ça. C'est... Peut-être que deux oui, saisons. Deux saisons. Sakura et pain. Quoi, y a pas sakura? Ume じゃなくて sakura quoi? Et ça, ah, oui. Ume か. Ah, でもこれ. Prune. Ah, c'est pas saison. Peut-être prune. Le sakura le fleur de prunus. Ah, les prunus. Oui, prunus. Oui, prunus, ume, yakara sen. Ah, peut-être ça. Oui, c'est... Prunier. Oui, prunier. Comment tu trouvais en France en brocante Oui, alors, c'est pour cette petite histoire, c'est que bah, nous, c'est notre métier. Mm-hmm. Donc, on a des adresses avec des gens qui sont spécialisés et collectionneurs, mais qui vendent que aux professionnels, c'est-à-dire que c'est que pour des revendeurs comme nous. Ah d'accord, d'accord. Et en fait, ce monsieur, je le connais très bien, oui. Il m'a toujours sorti des choses exceptionnelles, et sauf qu'il ne savait pas ce que c'était. Et j'ai tout de suite reconnu, j'ai vu, j'ai envoyé un commissaire priseur pour qu'il vérifie, il m'a dit, c'est des Imari de l'époque, tu peux y aller. Et du coup, ce monsieur, je lui ai acheté le lot entier, et il me les a vendus, et je les ai gardés. Et aujourd'hui, on ne sait pas si on veut les vendre pour manger et les utiliser, ou les accrocher au mur.
Parce que en fait, si vous regardez, ça peut être très joli. Oui. Accroché au mur. Ouais, c'est bien mélangé. Et du coup, on ne sait pas. Mais ça, comment on dit? Je ne sais pas jamais comment on dit antique au Japon. Oui. Donc, on ne veut pas voir. Oui, oui. Et c'est pour ça que je vous les montre, parce que ça vient de chez vous. Oui. Oui, j'aime bien aussi. Ça a voyagé, ça a traversé le temps. Ah oui. Et là, c'est sur les 6, il n'y a rien. Elles sont parfaites. Pas abîmées. Oui. Parfaites. Bon état. Les couleurs, elles sont vives. Oui. Encore. Et je trouve ça très poétique, moi. Oui. Moi, j'aime beaucoup ces assiettes. Mmh. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. C'est comme tout. Oui. Mais je trouve ça très joli. C'est Donc, vous, et avec Japon, c'est, il y a des lignes. Toujours. Oui, c'est ça. Ah, oui. Déjà, moi qui viens de Nouvelle-Calédonie, le Japon, on a beaucoup de Japonais qui viennent en Nouvelle-Calédonie pour les vacances, pour les lunes de miel, pour après le mariage, pour se marier. Oui. Oui, et du coup, moi je connais bien les Japonais et le Japon, et on a eu de la chance en fait d'avoir. De s'arrêter au Japon en allant en Nouvelle-Calédonie. Et Ariel est tombé amoureux du Japon. J'ai déménagé de Paris, c'est pour aller à Tokyo. Oh. J'ai adoré. Et pour la petite histoire, il va pas être. Mais content que je raconte, mais nous étions rooftop au Japon, à Shibuya, Shibuya, si je ne dis pas de bêtises, au dernier étage, et on était au Hyatt Hotel, au bar, et on regardait, on prenait un café et un thé, et on regardait la vue, et on était en haut, tout en haut de la ville, avec le coucher de soleil, et là, il a regardé, et là, il s'est mis à pleurer. Oh. C'est trop beau. Sur le rooftop, le Hyatt Hotel, tout le soleil qui se couche, la ville qui s'allume, c'était magnifique. Ah bon? Wow. J'ai trouvé ça magnifique. Et il était devant moi, genre, ça va? Ça va? Je suis heureux. C'était magnifique. Ah bon? Et ce que j'ai beaucoup aimé à Tokyo, c'est le côté très tradition. On garde l'architecture, les traditions, le respect pour les plantes, et les arbres, les jardins qu'il y a partout. Et à la fois le côté très moderne, avec les grands buildings. Donc on peut avoir un temple très traditionnel et à côté un énorme building, et les deux fonctionnent bien. On parlait tout à l'heure du mix and match. Ça aussi, c'est un mix and match. Tradition et contemporain. C'est ça. Et ça marche, je trouve l'équilibre. D'accord. C'est parfait. Et même dans les constructions modernes, il y a toujours un arbre, des plantes, des fleurs. Même dans la ville, il y a beaucoup de verre et de verdure et on respire. Paris, c'est petit, on peut étouffer un peu. Tokyo, j'ai trouvé ça... Et les Japonais, on adore la politesse. La politesse. Ils sont tous adorables. Adorables. Oui, c'est ça. Okay. Et encore une fois, s'il vous plaît, comme ça, comme ça. Donc, Lulu, un alors, peu... Alors, attends, oui, ça. Ah, super, c'est bien. Lulu, ah, ok, super, super. Avec Siri. C'est très bien. C'est très bien. C'est ça. Lulu. Kawaii. Lulu. Moi, c'est bien. Lulu. Et kawaii. Thank you.
美味しそう。メルシー。イエーイ。J'adore non. Ça c'est antique. Théière. Théière, oui. Et ça c'est antique. Ça c'est pas vintage. Ou pot à café. C'est pas vintage. C'est antique celui-ci, oui. Antique. C'est antique. Ça vient en France. Oui. Oui, ça c'est très français ça. Ah bon? Mais il est en argent. Ah. C'est de l'argent. Attends. Kawaii. Non, c'est pas écrit. Ah, d'accord. C'est argent et ébène. Pour le bois. Pour le bois, oui. Avec oui. bois, oui. Toute cette partie-là, là, ça c'est de l'ébène. Kakaï. Et le petit détail dessus Ouah. Aussi. J'adore. Argent et ébène. Et ça aussi, argent. Ah oui, c'est Tiens, bien. Ça c'est pour toi, Mash. Merci. Et ça c'est pour toi, Aya. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et vous avez des madeleines françaises, nature. Et pour les gourmands, chocolat. Acheter de... comment dire? Acheter de pâtisserie? Oui. À pâtisserie? Oui, oui, c'est ça, juste à côté. D'accord. Merci. Merci. Lulu, un thé? Ah, ça. Ah, c'est pas très chaud, c'est français. Ah, c'est oui, pas très c'est chaud, ça. C'est français. Japonais, ça devrait être plus chaud. Là, c'est le thé français. Non, oui, c'est très bon. Oui, très bon. Il y a un peu de cannelle dedans. C'est délicieux. Ah oui. Et ça, c'est pas tu prends la madeleine et tu trempes dans le thé. Ah, c'est vrai. Ah oui. Ah bon? Oui. Bon, après, tu en mets partout, mais c'est quand même bien. Ça, c'est un truc de gourmand. Oh. Et du café aussi? Tu peux aussi. Moi, je le fais. Ah, du café? Ouais. Essayez de thé. Oui, c'est bon. 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 Avec cannelle, c'est bon. Ah. Tu veux du thé? Toi aussi, tu veux du thé? Non, c'est pas fait pour les chiens, le thé. C'est pas fait pour les chiens. Kawaii. Waouh. Merci. C'est gros. Oui, gros financier. Ouais. Oui. Les madeleines. Madeleine. Et ça, c'est les madeleines Alain Ducasse. Alain Ducasse. Oui. Ah. Oh. Qui est juste Alain à côté Ducasse. Le café. Juste à côté. Oui. Alain Ducasse. Alain Ducasse. Alain Ducasse. Goûter, c'est différent de celle-ci. Oui. Merci. Oui. Merci. Ça et ça, c'est pas la même boulangerie. C'est bien. Waouh. Non, pour le plus gros, pour le plus gros. Merci. Très très bon. C'est délicieux. Et tu vas où? Il y a une texture, comment on dit, dure. Oui. Et dedans, oui. C'est très moelleux. Ouais. Mouillé. Mouilleux, mouillé, un peu. C'est pas crème, mais comme. Oui, oui c'est. Manque de cuisson, mais c'est fait exprès. C'est... Oui, très. Nadia, sensei. Oh, son nadia. Ouais. C'est fondant. Oui, moi aussi j'ai fait ça. Kawaii. Et Nina, le futari. Mais c'est kawaii. Et le dernier, c'est pour Aya. Ah oui, merci. Donc ça, si c'est ton préféré, et tu goûteras la madeleine pour comparer entre madeleine de boulangerie et madeleine... Ok. Hyper c'est bon. Bon. Oui. Donne-moi, tu vas pas aimer. Délicieux. Délicieux. Oui. Délicieux. Itadaki. So, deux fois. Oui, deux fois. Oui. Dessus et dedans. C'est ça. Du coup, tu as. C'est ça. En deux temps différents. Deux fois. Deux fois. Oui, j'ai. Deux. Oui, il y a quand même ça. Tu n'as pas de temps. Moussou. On dit le mot exact en français, je pense, c'est onctueux.
onctueux. Onctueux. Ça veut dire que c'est mou. Smooth. Mm-hmm. Smooth. Onctueux. Onctueux. C'est ça. Oh. C'est un peu humide. Ouais. Et c'est mou. Mm. C'est mou et humide. Onctueux. Onctueux. Ouais, onctueux. Onctueux. Mais t'es onctueux. Très onctueux. Très onctueux. Mais t'es onctueux. Mais t'es onctueux. On mange ensemble, donc plus... Ouais. Bon. Oui, encore plus, meilleur. Oui, mais encore d'accord. Meilleur. On est d'accord. Quality time, c'est ça. Quality time, oh. Nani Go. Quality time. Quality time. Quality time. Anglais. Oui, anglais. Mais il a fait un jeu de mots. Un jeu de mots. Qualité, temps de qualité. Il a fait quality. Oui, ah, d'accord. Quality. Quality. Les Français, on est bon pour les blagues. Oui, oui. D'accord. Et les jeux de mots. Ouais. 日本みたいやんな。Quali... Allez, T と T が一緒やし、ってことやろ。C'est ici? Il y a beaucoup de clients japonais venus? Oui, il y a beaucoup de japonais qui viennent ici parce que d'abord, il y a tout le vintage français qui aime beaucoup, les japonais aiment beaucoup ça. Oui. Les japonais ont un grand respect pour aussi tout ce qui est ancien, les générations d'avant, et que nous on garde tout et on réunisse tout ici, les japonais aiment beaucoup. En plus, c'est des pièces, toutes ces porcelaines dorées, tout ça, c'est des choses qui n'existent pas ou peu au Japon. Ouais. Donc pour les japonais, c'est quelque chose de nouveau. Et puis, on a eu beaucoup de japonais aussi grâce à la presse. Mmh. Ah, d'accord. Grâce à Madame Figaro Japon, grâce à des gens comme vous aussi. Et du coup, les Japonais nous connaissent de plus en plus. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on est au fond de la cour. Du coup, on a le temps, on prend le temps avec les personnes d'expliquer l'histoire des pièces, comme on parlait avec Jean. Ah, oui. Expliquer si c'est antique ou vintage. Et ça, on a le temps de prendre le temps avec les gens. D'accord. Alors nous, on ne parle pas japonais. Oui. On arrive à se comprendre s'ils parlent français ou en anglais ou avec Google Traduction. Mais ah, super. Il y a beaucoup de japonais qui viennent ici. Ah, et on a la chance, d'être, comme disait Ariel, d'être dans cette petite cour. Et on a nos voisins Antoinette Poisson. Ah, oui. Qui sont déjà aimés beaucoup par les japonais. Et du coup, naturellement, en fait... Les gens viennent soit chez AXS avant, soit chez Antoinette Poisson, mais en fait, ils trouvent tous leur bonheur. C'est-à-dire que les papiers peints chez Antoinette Poisson, et ici, la vaisselle, l'art de la table, la décoration vintage et antique. Oui. Ouais. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Si, par exemple, les Japonais qui habitaient ici, c'est peut-être ils parlent aussi français, mais... les Japonais viennent de Japon, peut-être ne parlent pas bien français aussi, anglais aussi, mais ça va. Oui, on arrive à se comprendre. Okay. En fait, on essaie d'être le plus... Enfin, déjà, c'est naturel, mais on essaie d'être le plus sympathique possible et de leur apprendre des choses. On n'est pas des vendeurs à vouloir qu'ils achètent, en fait. C'est, nous, c'est un métier passion. Donc, d'accord, on aime ce qu'on fait, on aime tous les objets qu'on a, et quand on pense à vendre quelque chose à quelqu'un, Ariel, en tout cas, qui est souvent là, il réfléchit avec l'objet, la personnalité de la personne, donc on a une douceur que, des fois, des gens n'ont pas dans des magasins, en fait, et on peut se sentir oppressé ou dérangé, alors qu'ici, tout le monde est les bienvenus. On peut passer 10 minutes comme une heure, ça ne nous dérange pas. Wow. Et parfois, on prend le temps, on se pose ici, on boit le thé avec les clients, avec les Japonais, et juste on leur explique l'histoire de Jien ou tout ça, comme on parlait tout à l'heure, tu vois. Et on prend le temps juste de présenter l'histoire des pièces en France, ou non, là, j'en ai pas. Mais les chaises de bistrot, tu vois, les chaises bistrot françaises, ça c'est les chaises des bistrots de Paris. D'accord. Il faut raconter l'histoire de tout ça. Et quand tu as un japonais qui arrive, alors on utilise très peu de mots, on dit ça, vieux, ça, vintage, pour que tout le monde se comprenne, mais on arrive à bien se comprendre. Oui. D'accord. C'est gentil. Très gentil. Oui. Et aussi, les japonais aussi, tout le monde, on peut acheter...
sur Internet? Exactement, on a développé ça sur le site maintenant. Déjà, si les Japonais viennent à la boutique et qu'ils n'ont plus de place dans la valise, ils peuvent choisir et on fait un carton et ça part au Japon. Comme ça, quand vous rentrez au Japon, le colis est arrivé chez vous. Et les valises sont vides pour mettre d'autres choses dedans. C'est ça. Parce que trop de valises après dans l'avion, ça coûte cher. Donc on peut envoyer au Japon. C'est bon. Et on ajoute une dizaine de nouveautés sur le site tous les jours. 10 nouveautés sur le site. Et s'il y a la moindre question, il ne faut pas hésiter. Instagram ou mail. Et nous on répond facilement. Oui, et aussi on peut utiliser Google Traduction. Merci Google Traduction, qui nous aide beaucoup. Lulu ga kawaii sugiru, Aya-chan. Lulu kawaii. Lulu, ya, honma ni yokatta. Lulu kawaii. Lulu, ya, sugoi kawaii. Nante kawaii no, attakai wa. Attakai yo na. Kagami de Lulu check. Lulu. Inochi attakai anna. Ya, ima kara. ルルをめでながらですね、あの品物をもうちょっとゆっくり見て、ちょっと欲しいもの探そうかな。そうやね。美味しかったお茶も。いやーもうなんて幸せな時間。もう最高やんな。いやー素敵やんな。二人がもう素敵やわ。あ、ねえ。じゃあちょっといろいろ探そうか。このさ、あれちっちゃいスプーンだけど、このセットやばない？やば！めっちゃかっこいい。ほんまになんかルイ何世とかが使ってそう。確かに。さ、c'est du antique. Oui. Ça date des années 1900. Et ça, il y a, regarde. 1900. D'après toi, ça, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Que c'est pourquoi ça? Ah, ça c'est le... Le gâteau? Poisson? Non et non. Presque. La viande? Non. Cherchez dans les légumes. Légumes? Légumes? Asperges. Ah! Asperges? C'est une cuillère à asperges. Comme ça? Tu prends les asperges, il y a le sauce qui traverse ici, et là tu as les asperges ici pour poser. Et si tu regardes ici, tu as ce qu'on appelle le monogramme. Monogramme. Et monogramme, c'était à l'époque, c'était les initiales de madame. Madame? C'était pas monsieur, c'était madame. Toujours. Parce qu'en fait, à l'époque, on offrait pendant le mariage le coffret pour le mariage. Et c'était toujours pour la femme, pas pour le monsieur. On pense souvent que c'était pour le monsieur, mais en fait, c'est toujours madame. Toujours parce que, regarde, si on regarde bien, même sur les serviettes, il y a le monogramme. Et d'accord. Qui faisait la couture? C'était madame qui faisait la couture. À l'époque, hein? À l'époque. À l'époque, hein? Oui. Tous. D'accord. Et en fait... Donc, original, ici. Original. C'est très riche. Très joli. Ça, c'est très cher. Et j'en ai un. Ça, c'est des pièces... Antiquité. On connaît pas encore le prix. Oui. On va demander à un ami qui est spécialisé dans ces pièces-là. Et ça, là, c'est ce qu'on appelle un service à bonbons. Bonbons. Service à bonbons. Et... Tu vois ce que c'est, les pâtes de fruits? Oui. Pâtes de fruits. Tu ça. Coupes pâtes de fruits avec ça. Ouah. Et après, tu prends ça. Et tu le sers. Et regarde les détails. Ça, c'est de la nacre. Oui. Et ça, c'est du vermeil. Et regarde les détails. C'est très joli. C'est magnifique. Pâte de fruits, yana. Osuku tame no dake ne tsu tte omoroi na. Et celui-là, c'est un des plus jolis que j'ai vu. Ouais. Donc c'est Christophe.
Et en fait, vous regardez le monogramme. Mmh. Oh, il est très très joli. Oui. Ça, c'est M et A. M et A. Mmh. Oh, Mosh Aya. Bah oui. Oh, bah oui. Mosh Aya. Je pense que ça, c'est le plus vrai. Oui. Parfait. C'était pas fait exprès. Oui. Machaya. Oui, Machaya. Eh, sugo. Sugo. Oui, c'est très joli. C'est très très. Mecha kakkoi. Graphique. Ne. Oui. Mecha ii yan. Eh ben, c'est un cadeau de nous. C'est pour vous. C'est vrai? Oui, c'est pour vous. Ouais. On en a que une. On en a que une. Ah. Mais, donc, c'est vrai. Il faudra couper en deux. C'est mais ça. Tu sais, on parlait qu'il y avait des rapports, des connexions avec le Japon et nous, mm-hmm. tu vois. Et là, je ne savais pas que MA, j'y avais pas pensé. Oui. Mais toi, tu y as tout de suite pensé. Waouh. Connexion. Super. Encore une connexion. Donc, on s'est regardé. C'est ça. Et on se connaît. Elle est pour vous. Et oui. Ça, trop c'est de connexions. C'est qu'elle est pour elle vous. Est pour ah, vous. Ah bon? Oui. Oh là là. Présentons. Ça nous fait plaisir. Mata tsunagatta ne tte. Super. Mash et Aya, c'est bien mieux qu'il y ait les deux. Youpi, youpi. Il n'y a que une, mais si on trouve une deuxième, on vous donne. Mais non, vous partagez. Ah oui. Lundi, mardi. Aujourd'hui, comme ça. Non, chacun une bouchée. Ah, c'est ça. Non, comme ça. Juste comme ça. Ah oui. Oui. Kadan no mo ii na. Juste comme ça. Parfait. Arigato. 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 Oui. Arigato. Et je connais autre chose. Vas-y. Doito shimashite. Ah oui, c'est ça. Très bien. Eh, merci. Mais bon, honma ni kakkoi. Non. Waouh. Waouh. Symbole. Aya. Mm, Mashaya. Symbole de Mashaya pochette. Kore ga daitai doko no doko de tsukurareta shoki ka o kaite kurete ru. Kore France yan na. Kore France. Ah, sugoi. Santa man mo aru shi. Santa man, Sarugumin-ru, Luneville-ru, Ronshan, Digo-an, Limoges, Jian, Saran. Kore wa? Ku. Créé-Montreau, oui. Très connu. Oui. Ah, Créé-Montreau. C'est tous les très connus. Moi, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit. Oui, ici, j'ai dit Jian. Mais autre ville, pas encore. Il faut faire tout. Super. Oui, il y en a des très jolis. J'aime bien. Limoges, c'est très joli comme ville. C'est très joli. Jian, c'est joli aussi. Et dans le nord, ça aussi, c'est joli. C'est assez joli. Oh, d'accord. Ah, ok. Ça, ça. Quoi, on va y te couler, tu vois, car moi, j'ai à l'air. Il est le nom. Ça y est, il m'y décaille. Très bien, merci. Eh, tiens, mets-tu couler, mais tu crois, il n'y a pas. So, quoi, kawaii. N'a qu'à ce qui s'est mis à couler, t'as là. Quoi, là, son nom, voilà, t'es là, au saratokano, gara no bubun. Oh, tu captes. もう一回リサイクルというかリユーズかな。リユーズして、リユーズしてこれとかめっちゃいいやん。こうなこのバゲット置いたりとか、そう置いたりもしたりいいし、でこれとかを穴開けてるからなんかここにキーホルダーみたいにしてもいいって言ってたね。アクセサリーとして使ってもいいし、うん、キーホルダーでもいける。これいいアイデアやな。でもそのかこんな綺麗にカッティングできるんやと思って感動した。なんかなやっぱこう。捨てるものはないって言ってはった。ね、うん。すごいな。このハンコ、タンポをもう一回作られへんのかな。確かに。自分でもう一回。デザインもう残ってないもんな。ねえ、もったいないよな。デザイン可愛いのに。さあ、あやちゃん。はい。いいね、選びましたね。そう、今日ちょっとフィナンシェとマドレーヌ食べた時に、これでも。マドレーヌ、フィナンシェ食べるセットやんってなって一目惚れしたフォークとお皿と、うん、マッシュはもうこれ一目惚れマッシュが一目惚れしたちょっと写真立ってになるのかなうん、額やな額この二つ買おうかなと思う、うん、このなんかぽよぽよがいいよなこのうん、めっちゃ繊細でいいよねで、ここは横にあるポアソンのポアソンのなんて言ったらいい紙紙の、うんデザインが入ってるっていうこうコラボレーションって言ってた。これはマシュアヤのもらった。
マシあやそれこれもらってちょっとテンション上がるわフォークとかも買いたいと思っちゃっていいねさあ c'est pour les financiers マシュウィーンさせさフィナンシェーマジでさジェコンプリジェコンプリDonc ça, c'est oui. pour les petits financiers. Oui, oui. Ça pour les gros financiers. Ah, c'est ça. D'accord. Oui. Pour les deux tailles de financiers. Bien. Yeah. Et ça c'est Ravier. Mm-hmm. Oui, c'est Et ça c'est Terre de Fer. Terre de Fer. Ah, terre de fer. Mais okay. comme on disait c'est bien mm-hmm. parce qu'on connaît beaucoup en bleu, mm-hmm. en rose mm-hmm. et là ces couleurs là on trouve pas souvent de la Terre de Fer ah, comme oui. ça. Ah. Ouais. Et ça c'est la forme mm-hmm. comme ça. Mm-hmm. On appelle ça la forme navette. Navette. Navette, la forme comme ça. Ouais. Et historiquement, les raviers, mm-hmm. ça servait pour le beurre. On, mettait le beurre oh, dans d'accord. les raviers avant. D'accord. Comme ça, tu prenais. Ça, c'est le couteau pour le beurre. Ah. Du coup, tu posais le couteau, oh. tu prenais le beurre, oui. et puis tu tartinais sur le pain d'accord. ou sur les financiers. Financiers oh, trop plus Encore en plus du beurre Trop de beurre Moins trop de beurre Et ça, oui, le ravier, c'est pour le beurre. Ah, d'accord okay. Et ça, oui. c'est le mix and match. Mix and match. Qu'on fait au 12 rue Saint-Sabin avec. Mm-hmm. Un cadre ici mm-hmm. qui est en métal doré métal avec doré. Les volutes mmh. qui sont ça c'est très français wow. les détails yeah. ça c'est très français mmh. du coup il y a ça dedans j'arrive tout de suite historiquement dedans mmh. on avait des petites pièces oh comme ça c'est des bon. Petites peintures qui sont peintes à la main mmh. nous on retire les peintures mmh. et on met les dominos Antoinette Poisson mmh. qui sont peints à la main aussi ceux-là mmh. du coup on a ceux-là avec un cadre très français Oui. Et on a beaucoup aimé le rose qui mmh. fonctionne bien avec le doré. Oui. Du coup, là, on a les volutes. Et là, c'est très géométrique. D'accord. Et on trouvait que le contraste était oh. bien. Oui. Ah, très Merci bien. Petit pour les cadres et plus mmh. grand pour les miroirs. Et les grands mmh. miroirs, ils datent de 1900-1920. D'accord. Donc là, à peu, entre les deux à peu près. Ah. Et là, du coup, on est à peu près dans ces années-là aussi. Mmh. Oui, d'accord. Ouais. Très bien. Ouais, très bien. OK. ドミノ市でさ、うん、あの、うわーって見つけるのもさ、楽しいけどさ、うん、こうセレクトショップで、うん、ほんまに一つ買って帰ろうみたいな感じで来るのも、うん、ありやと思った。めっちゃありやんな。あとなんかまあ、とにかく可愛いものが、その、まあお店によっての好みで揃えられてさ、で、あとなんていうの、ストーリーが全部あるし、しかもなんていうの、飲み口はさ、交渉とかさ、あとほんまのこと言ってるかわからなかったりするけどさ、こういう場所やったらさ、ちゃんと教えてくれるし、ちゃんと、うん、それなりの価値をちゃんと伝えてくれるから、すごいいいと思う。確かに、うん、これどこ、まあでもフランス語が難しかったら確かにちょっとあれやけど、まあ、そういう時は翻訳機使ってください。翻訳機あったら使っていく。うん。うんça c'est écolo aussi mm-hmm. parce c'est que c'est du papier peint mm-hmm. vintage oh, quand c'est né il achète les meubles yeah. et la vaisselle il trouve des vieux rouleaux de papier peint yeah. ça permet de faire les paquets D'accord. écolo écolo écolo, écolo. Toujours écolo toujours écolo c'est du vintage ah bon oui il n'y a rien de neuf sauf moi moi je suis neuf Moi aussi. Ouais, on est tous neufs. Cet magasin, c'est ouvert. Mardi, mercredi. Mercredi, dimanche. Samedi. Ah, mercredi, samedi. Mercredi, samedi, mmh. 11h-19h. 11h-19h. Et mmh. les lundis et mardis, on mmh. peut prendre rendez-vous. Ah, d'accord. Pour venir ici. C'est on peut envoyer un mail sur le mmh. site mmh. ou on peut envoyer un message sur Instagram. Mmh. Merci. Ah, encore ici. Ah, X. Ah, X. Ah, merci. Ah. Quelle est Terre de fer. Ah, terre de fer, fer les oui. deux. Terre de fer française. Merci. Comme ça, là, vous pouvez juste l'enlever. Oui. Et puis vous l'accrochez où vous voulez. D'accord. Ok. Ok. Ah, bonne idée ça. Et voilà, Yeah. 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 やったね。かわいい。ありがとう。
Ariel. Avec plaisir. Merci Ariel. Ok, merci beaucoup. Merci Ariel. Merci beaucoup. Merci ma chérie. À bientôt. À bientôt. Ne merci. À bientôt. Arigato. 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 Hola. 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 楽しかった。楽しかった。いやマジで散歩。めちゃくちゃ優しい。めっちゃ良かったね。泣きそうになるぐらい優しかったな。ほんまゆっくり話してくれたね。めっちゃ分かりやすかった。分かりやすいように話してくれて、めっちゃ感謝や。なんか。うん。嬉しかった ねなんかそう考え方とかもすごい好きやし、うん、あともうルルがいてくれてルル最高やんな あとこれほら隣がルルって言ってたね。アントワネットパーソンっていうね、うん、アントワネットパーソン、いつかここも撮ってみたいね。そうやね、すごい素敵やったなあ、うん、だってコラボのアイテム買ったし、うん、嬉しい な全部が素敵やったな。どこ撮っても美しかった なやっぱでも二人の人柄は出てるような気がした。優しいし、うん、優しいけどしっかりした感じの、そうそう、芯のある感じの雰囲気かな、うん、うん、ありました。じゃあ心もここもホクホクで、とりあえずフィナンシェ買いに行かな。フィナンシェ買いに行かな。じゃあね、せーの、それではご視聴ありがとうございました。オーバー、アビアント。ちなみにアラン・デュカスのカフェもあって、ここのコーヒーもすごく美味しいですよ。